Le prince Harry a vraiment besoin de parler de sa vie, a fustigé un commentateur. La chroniqueuse Jane Atkinson a dénoncé le duc de Sussex pour ne pas être retourné au Royaume-Uni pour le service commémoratif du prince Philippe plus tard ce mois-ci au milieu d'une dispute juridique sur la protection de la police. Madame Atkinson a affirmé qu'Harry frottait du sel dans la plaie en se rendant aux Pays-Bas pour les Jeux Invictus en avril, bien qu'il ne se soit pas rendu en Grande-Bretagne pour l'événement à l'abbaye de Westminster le 29 mars. Le chroniqueur a déclaré, pour vraiment remuer le couteau dans la plaie, vendredi soir, après avoir snobé la reine, son porte-parole a révélé que Harry s'envolerait pour les Pays-Bas 3 semaines après le mémorial des Jeux Invictus. Et il y a quelques jours, il était au Texas pour un rodéo. Point donc, ce n'est probablement que le Royaume-Uni qui a des problèmes de sécurité. Il s'agit d'un service organisé par une grand-mère malade afin que tous ceux que son mari aimait puissent être réunis dans une même pièce pour célébrer sa vie. Harry n'aura pas de seconde chance pour sa pointe. Il a vraiment besoin de parler de sa vie, et le duc d'Édimbourg aurait été l'homme qui le lui donnerait. Point. Les commentaires de Madame Atkinson dans le Sun interviennent après qu'un porte-parole de Harry a confirmé vendredi qu'il manquera le service commémoratif de son grand-père. Le duc espère rendre visite à sa grand-mère la reine bientôt, a ajouté le porte-parole. Harry assistera aux Jeux Invictus à La Haye dans quelques semaines. Une vidéo publiée samedi sur les réseaux sociaux le montre se mettre dans l'ambiance de son voyage aux Pays-Bas. Dans le clip, le duc apprend le néerlandais lors d'un appel vidéo avec 4 autres personnes avant de révéler qu'il porte une tenue entièrement orange. La décision de Harry de ne pas assister au service commémoratif de Philippe intervient alors qu'il est impliqué dans une bataille juridique concernant ses dispositions en matière de sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni. Il conteste devant la Haute Cour une décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui permettre de payer personnellement la protection de la police pour lui-même et sa famille en Grande-Bretagne. Harry veut faire venir son fils Archie et sa fille Lilibet de Californie, mais ses avocats disent qu'ils sont incapables de retourner chez lui car s'y est-il trop dangereux. Il fait valoir que son équipe de protection privée aux États-Unis n'a pas de juridiction adéquate à l'étranger ni d'accès aux informations de renseignement britanniques nécessaires pour assurer la sécurité de sa famille. Les Sussex ont perdu leur protection policière financée par les contribuables après avoir quitté la famille royale en 2020.